Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Du coup, je vous avais dit qu'on se retrouverait au bord de la zone enneigée. Maintenant, on n'a plus froid. Mais il y a un grand lac, enfin plus une rivière qu'un lac. L'eau est magnifique. Hop. On va désescalader, on va pas se suicider non plus. Par contre là les chauves-souris vont me laisser. Aïe. Wow. Hop. Tiens. Non mais oh, c'est pas le port. Wow. Un slam de glace. Tiens. Fleur. Aïe. Tiens. J'ai plus que un cœur. Enfin un quart, trois quarts de cœur putain. Bah je me suis direct là. Ah, mange des pommes. Comme ça, je peux pas. Ah, c'est un œil de chauve-souris, ce n'est pas une pomme. Et là, mange des pommes. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut aller là-dedans? On va mourir de froid. Oh, il fait beaucoup trop froid là-dedans. Ressort! Mais Link, t'es sérieux? Putain, mais c'est violent là. Il perd énormément de cœur d'un coup. C'est trop réaliste. C'est trop chiant. Oh, j'espère que je vais pas respawner à 4 km. Non, ça va, je suis ici. Du coup, il va falloir qu'on trouve un passage là-bas. Il y avait l'air d'avoir un pont, mais il a l'air d'être également cassé. Là-bas, il y a peut-être un camp. Donc, il y a un camp de mob, on va peut-être se le faire. Non, c'est pas du tout ce que je vais faire. Hop, ça y est, la bombe. Vache qu'elle roule bien, hein. Va-t-elle arriver dans l'eau? Ah, ouais, elle est dans l'eau. Et dans l'eau, elle explose. C'est bien bon à savoir ça. Par contre, là, hop, toi tu dégages. Ok, on va prendre ta tête. Pour jeter sur l'autre. Merde. Non, pas sur toi, sur lui. Oh, tiens. J'ai loupé. Oh, tiens. Allez, roule la tête. Tiens. Allez, dégage. D'où elle arrive à remonter en roulant la tête. Putain, t'as l'air de la triche, ça. Bon. On va essayer de se la faire discrète. Ok, ça commence bien. One shot. Allez, ils sont où les autres? Ils sont là-bas. Hop. Je peux essayer de récupérer ma flèche, quoi. Tiens. Attends. Non, d'accord. On va essayer de se les faire. Bref, les flèches. Et ça. Une luciole. Oh, trop fort. Mais oui, mais attendez. Merde. Ah. Oh, tiens. Oh, tiens. Aïe. Tiens. Dégage. Hey. Ben voilà. C'est pas si compliqué. Ouh tiens. C'est excellent, j'adore cette truc. Du coup, ici. Bon, on a perdu un demi-cœur. J'essaierai de vous donner le plus d'infos possible sur mes cœurs. Enfin, quand il y a une info intéressante. Parce que, à cause du vieux logo de merde qui fait chier. Bah du coup, vous les voyez pas. Dedans, il y avait plein de pommes. Hop, pomme. Des flèches aussi. Flèches. Et là, il y a une autre pomme. Du coup, essayons d'aller jusqu'au pont pour voir si on peut essayer de traverser. Je pensais qu'on peut essayer de choper une grenouille. Petite. Grenouille. Salut. Oh, j'ai une grenouille. Trop bien. Il y a une autre grenouille là. On sait jamais, ça peut servir.
Petite, petite, petite. Non, arrête de sauter, arrête de sauter. Oui, j'en ai une. Bon, du coup. Là, il y a une sorte de pont. Avec des tourelles. Qui sont pas gentilles. Ah. Non, c'est pas ça. Je voulais ça. Voilà. Hop là. On va s'en faire un, nous, de pont. Là. Ouais, on va dire que ça tient. Hihi, trop bien. C'est cool, n'empêche qu'on peut se construire notre propre pont. Du coup, nous sommes livrés à nous-mêmes. Le sanctuaire est juste au-dessus. On va monter par là, hein. N'empêche, cette neige est bien faite. Bon, le bruit quand on marche sur la neige, bien fait également. Là, on est en pleine neige, on a vu sur le désert là-bas, c'est pas... Oh, il y a extra, mais bon. On va leur pardonner. Ici, il y a quoi, là? Ouh, tiens, tiens. Salut. Oh, c'est juste un trou, c'est tout. Oh, il y a rien. Oh, tiens, j'ai envie de monter. Hop. Oh non, rien d'extraordinaire. On pense qu'il y a un petit chemin quand même pour monter et qu'on n'est pas obligé d'escalader, c'est bien. Plus intéressant. Waouh, c'est magnifique. C'est con, c'est juste de la neige en montagne, mais c'est beau, putain. Puis le soleil qui nous éblouit. Waouh. Hey, prêt pour qui, vous? Tiens. Oh, je pétais mon épée sur eux. C'est tout truc qui explose, vraiment. Tiens, non merde, je suis gouré de touche. Il ne s'est rien passé, allez, mange des pommes. Voilà. La 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 la. C'est violent là, c'est tonneau. Du coup, le dernier sanctuaire de cette zone. Le sanctuaire de Tomisawk. Salut. Ah, lui qui fait de la buée quand il respire. Oh, ce petit détail est génial. Alors, rentrons dessus. Faites jardinage. En coupant l'herbe, vous pouvez débusquer les petits insectes qui se cachent dans les touffes. Ah, donc quand on coupe l'herbe, on a des insectes et non des rubis. Plus vous mélangez d'ingrédients. Ok, merci. Machin, on connaît ton discours. Alors, pilier de glace. Il y a de l'eau. Je suppose qu'on sait déjà ça va être quoi le thème. Enfin le module qui s'appelle ça. Le truc à pouvoir nous faire des piliers de glace apparemment. À partir d'eau. Ça va être bien ça. Ça va être plutôt pratique pour balader sur l'eau. Cryonis, ça fait jaillir de l'eau d'une colonne... Hein? Ah non, fait jaillir de l'eau, je crois qu'il faisait jaillir de l'eau à partir d'une colonne de glace, non. Fait jaillir une colonne de glace à partir de l'eau. Hop, module activé. Du coup... Hop. Tiens! Oh yeah. Je peux grimper dessus. Pourtant, c'est tellement bruyant. Ça fait presque mal aux yeux. Il y a eu. Tiens. Il va falloir un truc plus grand. Je peux en faire une autre.
Ça marche, je peux le briser. Je peux pas là. On voit maintenant. Ah, ça change peut-être par rapport à la hauteur d'où on est de base. Attendez. Non, ça change pas, on est de la même taille. Je peux peut-être faire un truc avec ça là-bas. Si je change de module. Genre ça. Non. Si je fais péter une bombe là-bas. Putain! Non. Et ça? Non, ça change rien. Massif ça là. Ok, donc apparemment. Faire un truc avec le tampon. Ça me permettrait que ce soit ça, puisqu'on. Ah, j'ai compris! Je viens de comprendre. Oui, parce que j'avais vu que ils avaient fait exprès pour que le jeu puisse être fait. Peu importe dans quel ordre on fait les 5 fers. Donc du coup, je dois utiliser que ça. Du coup, je vais en dessous et ça monte la grille. Oh, c'est trop bien. D'accord. Dégage. Aïe. Tiens, merde, j'ai plus d'armes. Ah on va prendre le gros marteau de fer. Tiens, tiens, voilà, en pur. Et un vis antique. Je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois qu'on récupère un truc antique, ça nous dit que rien ne peut l'user et tout ça. Donc je suppose que plus tard on va pouvoir construire un truc avec ces items, tous les trucs antiques, et du coup on ne se cassera pas. Si je me sens aussi, c'est quoi? D'accord, bien. Hop. Ça y est, je suis arrivé au bout. Il n'y a pas de coffre secret magique. Ah, si, il y en a un là. Hop, une banzai. Je suis totalement loupé. Ouais. Monte sur ton bloc. Et apparemment, les blocs ils restent, hein. Que moi je peux également en train d'infini. Je pense que je sais combien. Ah non, d'accord. Je peux en faire 3 apparemment. Ouais, quand je sais d'en faire un 4ème, le premier il meurt. D'accord. C'est bon à savoir ça, on peut en faire jusqu'à 3. Du coup, on va récupérer notre dernier signe du héros ou du pouvoir, je sais plus. Pour pouvoir récupérer le delta plane. Blablabla, on connaît ton texte, les autres nous ont dit la même chose. Problème du triomphe, j'étais pas du tout là-dedans. Voilà. On aura désormais accompli, bah, on le sait. Merci, Jean-Claude. Ah bon. Il se ramène l'autre? Ah oui. Oh, tu as obtenu l'emblème du triomphe de tous les 5 cœurs du plateau. Le moment est donc venu. Link, il est temps que tu connaisses la vérité. Hey. Repère les 4 sanctuaires sur ta carte et présente et représente-toi. Non, oui, présente-toi la croix qui les relie. Je t'attendrai au centre de cette croix. Tu m'as bien compris? Au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires. Hey! ISTP! Cheater! Cheater! Attendez. D'où ISTP comme ça? Ok. Alors. Là, il y a un sanctuaire là, un autre là, un autre ici, et un autre là. Donc, du coup. Là, qui veut qu'on aille? Par là? Attends. Ouais, c'est là. On va mettre une balise.
Allez, on va faire une petite ellipse jusqu'à ce que j'arrive là-bas, je pense. Bon alors, oui donc, au début j'ai fait ouais ça doit être par là, mais en fait c'est pas ce sanctuaire qu'il fallait regarder, c'était celui-là, du coup c'est bien sur le temps, c'est pas logique. Et là-bas il y avait un petit Korologu, je sais pas si on le voit encore, un petit Korologu que j'ai sauté dans l'eau, ah, il est là-bas. Il m'a fait, wesh on est plein se cacher, viens touche nous chercher si tu le vois en bas un endroit suspect, mais d'accord, et j'ai récupéré une épée qui est sur le rocher. Bon, vous l'avez vu ça normalement. Et du coup, donc le vieux veut qu'on aille temple du temps. Hey, c'est pas si. Attends, c'est ça ou pas? Pensez. Dans Clan of Time, c'est pas là où on voit qu'il y a Ganon qui fait n'importe quoi avec le roi de l'autre côté? Et que du coup c'est là qu'on rencontre Zelda pour la première fois et que Impa se ramène et qu'elle est ici et que si on regarde bien à cette fenêtre on voit Mario. Si, j'ai l'impression que c'est ça hein. En tout cas ça m'y fait énormément penser. Mais c'est pas sur le temple du temps normalement. Donc c'est peut-être pas ça. Tout ça t'es peut-être le château et le temple du temps est derrière. Non, le temple et le château n'est pas aussi rapproché que ça. Du coup je sais pas, mais ça ça non y a rien de l'autre côté, ça fait un mur. Non, donc c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, ça m'a fait gravement penser. Oh. Grosse lumière là-bas. Salut. Salut Lia, ça va? La même statue que sur, je veux dire Skype, pas du tout. Que sur Bourpalette. Pas du tout non plus sur Célestebourg, voilà. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Nous sommes déjà possédés 4 emblèmes du triomphe. Si tu souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Un cœur en plus, plus d'endurance. Ah! Un cœur? Si tu recevoir un stade de cœur? Ouais! Très bien, je t'offrirai ce que tu désires. Oh, c'est chaud. C'est comme ça qu'on obtient le cœur maintenant. Seuls ceux qui ont triomphé des épreuves peuvent recevoir cet objet très précieux qui augmente le nombre maximum de cœurs. Du coup maintenant, j'ai 4 cœurs. Même si vous ne le voyez toujours pas. Merci à vous, mes gars. Va, et ramène la paix en Hyrule. Eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'ait rendu plus fort. Je suis là, dépêche-toi de venir me rejoindre. Mais sérieux, hein, moi je me TP pas comme toi, moi. Enfin, si, je me TP, mais pas de cette façon-là. C'était un point bien précis. Du coup, on va faire le Yamakaki, on va monter sur les monuments. C'est rigolo. Ou un assassin, comme vous voulez. Allez, Link, bouge ton cul. J'ai évité de sauter. Pour dépenser trop d'endurance. On a peut-être dû commencer là à droite. Parce que du coup, à ce stade-là, on n'est pas encore à la moitié, j'ai bientôt beaucoup plus d'endurance. Non, ça va le faire. Tiens. Allez. Oui, tu
peux le faire. Ouais. Il est où le vieux? Il est où le vieux? Tac 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 tac. Salut. Il est là. Oh tiens. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roam Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans. À l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenu sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ses paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un proche chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourés de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre lui. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon le Fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi.
Tu es notre dernier espoir, le seul. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les quatre créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminé. Puis, prends la route qui part vers le nord. Waouh. Juste waouh. Oh, j'en ai des frissons. Mais cette légende, mais cette histoire. Oh, c'est l'une des plus poussées de tous les Zelda qui existent. Je trouve également c'est l'une des plus logiques. Il sent que le mal arrive et du coup, il s'arme avec des machines, avec la meilleure élite, tout ça, mais juste, quand j'ai vu Link, on a reconnu dans les ombres un Zoan et un Zoan, mais pas du tout, qu'est-ce que je raconte, je suis en train de mélanger Zelda et One Piece, pas du tout, merde, comment il s'appelle, j'ai oublié leur nom, les hommes poissons, je sais plus comment ils s'appellent. On a reconnu un d'entre eux. Et on a reconnu également un Goron. Et juste voir que là, les quatre venus des quatre camps du monde, comme ils disent, et plus Link, s'agenouille devant la princesse Zelda avec le château derrière. Oh, c'est juste énorme. Oh, c'est ouf, cette histoire, je la kiffe. Du coup, bien, comme premier, tu peux prendre ma paravoile. Cadeau du roi du qui vous permet de glisser dans les airs, regret de la brise. Appuyez sur X en plein saut pour la déployer. Grâce à elle, tu vas pouvoir te lancer depuis les falaises de ce plateau. Je n'ai désormais plus rien à prendre, je le crains. Je compte sur toi, Link. Et donc là, ce qu'on va voir, on a vu abattre Ganon et va voir Impa. Parce que le jeu est également fait pour qu'on puisse défoncer Ganon dès le début du jeu. Et oui, enfin dès le début du jeu, dès maintenant. Et donc soit je vais vers Impa et on continue l'histoire, soit je vais vers Ganon et on finit le jeu. On va juste ouvrir ce coffre. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle tenue. Ah, un arc. Ok. C'est plutôt logique qu'on trouve un arc ici. D'ailleurs, je vais l'équiper. Non, c'est... Zut.
C'est où pour équiper l'arc? Je suis obligé de faire ça là. Hop. Équiper. Voilà, on va juste prendre l'épée pour faire le vrai Link. Épée bien rouillée, bien moche. Voilà. Bon, du coup, ça se confirme, on est bien exactement sur la même map que Ocarina of Time. Avec du coup le village Cocorico par là-bas. Du coup, c'est bien le volcan de Din ou d'Ordin, je sais plus. Et ça m'énerve également de ne plus retrouver le nom de la race des hommes poissons dans Zelda. Ça me saoule. Je vais rager, je vais aller sur internet. Et du coup, prochain épisode, du coup, je pourrais vous le crier dès le début. Je vous dirai même pas bonjour, je vous dis ah, oh, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ça se trouve, il s'appelle vraiment Zoan. Non, c'est pas des Zoan. Bon, les Zoan, c'est les fruits du démon de One Piece. Bref. Je me perds dans mes mots. Oh putain. Et donc, les personnages s'installent. Hein. Le roi d'Hyrule, Ganon qui est là-bas avec Zelda. Impa qui est à Cocorico. Les personnages reviennent. C'est magnifique. Ah là là. Et vous pensez que le Goron qui était venu c'était Darunia? Je sais pas. C'est très possible. Par contre, les hommes poissons, je sais plus du tout comment ils s'appellent. Allez. Du coup, attendez. Quatre peuples. Donc il y avait un Goron, un homme poisson qui pourrait avoir un Kokiri. Pardon, on a vu qu'il y avait un Korogu là-bas. Donc ça peut pas être un Kokiri puisque les Korogu, apparemment, ce serait la forme de base des Kokiri. Donc, si un coco, ça veut dire qu'il n'y a pas de coquillerie. Mais j'ai pas vu de coquillerie dans les 4 ondes. Du coup, ça veut dire qu'il y aurait 2 nouveaux peuples? Je sais pas. Bref. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. Moi, la légende m'a fait triper. Du coup, on se retrouve demain pour la suite. C'est Legend of Zelda, Breath of the Wild. Allez. Bye bye tout le monde. Ah, je... J'adore, quand même que je m'oriente. Oui. Ouais. Allez, bye bye.